Laetitia est une amoureuse du football. Devant la télé dans son salon, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle regarde le résumé de la CAN 2015. Chaque fois que je regarde l'extrait de 2015, là où la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique, c'est un sentiment assez inexplicable. Jusqu'à présent, on revit la scène, on revit la CAN de 2015 comme si c'était hier. C'est quelque chose de ouf, c'est quelque chose d'incroyable. C'est inexplicable en fait. Son amour pour le football a débuté depuis belle lurette. La passion pour le football naît à travers les championnats européens. Voilà les grandes rencontres telles que la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. Et c'est comme ça, petit à petit, tout, j'ai développé mon amour pour Benzema, Modric, Marcelo. J'ai déversé la même passion sur le football africain. Laetitia suit tous les matchs de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Son quotidien est partagé entre sa vie de famille et la télévision. En ce moment, je suis nourrice, mon bébé est encore trop petit, donc je n'ai pas encore repris mes activités. J'ai le temps de consacrer ma petite passion là pour le foot. Il faut vivre pour comprendre. Il faut regarder les débriefs pour voir en fait si ce que tu as constaté là, c'est quand même ce que les journalistes sportifs m'ont venu dire. Pour cette mère de famille, le football n'est pas que l'affaire des hommes. Je ne suis pas comme toutes les autres femmes qui passent du temps devant nos villas. Moi, ma passion, c'est le football. Je suis l'une des rares femmes qui apprécie le football. Tu as une idée générale de notion du football et tout. Comme Laetitia, de nombreuses femmes s'intéressent de plus en plus au football. Pour marquer leur amour pour cette discipline sportive, elles ont effectué nombreuses le déplacement du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Elles ne veulent pour rien au monde se faire raconter la demi-finale du match Côte d'Ivoire RD Congo. Nous sommes là pour le pays, nous défendons les couleurs, malgré la distance, ça peut aller. Il faut bien faire honneur à notre pays, il faut bien faire honneur à tout ce que le président a pu faire pour que cette CAN-là ait lieu ici. Les éléphants sont en train de jouer. Il y a les supporters qui encore. Il faut que je vienne les supporter. Je viens de Makori. Depuis 13 heures que je me suis mise en route. Et on est là pour célébrer la victoire des éléphants. J'aime le foot, j'aime le sport, j'aime la Côte d'Ivoire. Ces femmes passionnées de football restent mobilisées autour de leur équipe nationale, les éléphants, avec un seul but, remporter la victoire.